Bienvenue dans ce tutoriel, on va voir comment insérer des images dans un article ou bien dans une page, c'est la même chose. Alors, on va créer un article intitulé, par exemple, Middles, dans lequel on va insérer une image. Donc, pour insérer un média en général, soit une image, un son, une vidéo, etc., on clique sur ajouter un média. Là, on va être dirigé directement vers la bibliothèque de médias s'il contient des images, sinon on va sur envoyer les fichiers. Et là, on va sélectionner les fichiers à partir de notre disque dur. Par exemple, on va importer ces images. Alors, on va prendre une image, par exemple celle-là. Regardez à côté, on va trouver toutes les propriétés et les détails de cette image. Voilà le nom déjà, donc la taille, ici la résolution, 640 sur 480. D'accord? L'adresse web, c'est ça l'adresse web, chemin de l'image. Le titre, on va mettre ici un titre, par exemple Middles. La légende, c'est une phrase qui va s'afficher en bas de l'image. Par exemple, pomme de Middles. Après, le texte alternatif. Donc, c'est quoi le texte alternatif? Lorsque un utilisateur, par exemple, affiche le site et son navigateur n'affiche pas l'image. Par exemple, en cas de défaut d'internet ou bien que en cas où l'internet est un peu lent. Donc, dans ce cas, le téléchargement de l'image, il va être un peu lent. Le texte alternatif, il va remplacer l'image en attendant que le téléchargement termine. La description, oui, on peut faire une description ici de l'image, c'est quoi, il s'agit de quoi. D'accord, ici normalement on va mettre la même chose, pomme Middles, dans le texte alternatif qui va remplacer l'image en cas de problème de téléchargement. Alors, quelques réglages d'affichage, l'alignement, centre, droite, aucun, etc. Lié à, on peut faire un lien personnalisé vers, lorsqu'on clique sur l'image, il va nous amener vers un autre endroit. Donc c'est un lien hypertexte, comme les liens qu'on a vu dans la vidéo précédente. Aussi la taille, on peut garder la taille originale, on peut mettre une taille moyenne, etc. Donc, on va garder l'original et on clique sur insérer dans l'article. Voilà, notre image s'est bien insérée. Regardez ici, c'est la légende. Et voilà, tout est bien. On va voir un aperçu. Voilà, l'article intitulé Middles. Dernière information, pour modifier l'image insérée, on peut cliquer dessus. Et voilà un menu d'alignement, aligné à gauche, centre, ou bien aligné à droite. Ou bien pas d'alignement. On trouve le bouton modifier, ou bien supprimer, définitivement. Alors on va tester modifier. Regardez, elle va afficher les détails de l'image, à savoir la légende, le texte alternatif, les réglages. On peut ici modifier l'alignement, la taille, et la liaison ou bien le lien. Aussi, on peut afficher des options avancées un peu. Hein. D'accord, à savoir, on peut même utiliser le CSS, etc. On va essayer de changer la taille en taille moyenne, par exemple. Regardez, on va voir un aperçu de cette taille. Prenons 300 sur 225, par exemple. On va mettre à jour. Voilà, donc la taille de l'image qui s'est changée.
Merci.